bonsoir. C'est une bien jolie salle, ça fait arène un petit peu. Donc je m'appelle Savel et je suis accompagné par des amis. Le premier morceau s'appelle Le Collimateur.
Vite,
une main mise sur soi. Je, tu, il, nous sentons tout de suite. Alors pas de calcul stérile, pas de fuite de vous-même, ni d'inhumaine soustraction, non. Oui, vous savez qu'à un moment, vous serez obligé d'apparaître vraiment et de laisser tomber alors ce genre que vous vous donniez. Quoique parfois, pire, un piège, car à force de porter ce masque quotidiennement, vous courez le risque qu'il se fixe définitivement. Pas de présentation de soi au travers d'un prisme déformant, mais au contraire, une personnalité qui se montre directement. Je, tu, il, nous sentons tout de suite. Lorsqu'une personne se présente comme Félice, parée d'une figure factice. Alors il m'arrive quelquefois, enfin autant dire souvent, très souvent même, de rencontrer, alors on est de Nantes, je dis, donc de rencontrer des gens près dans le quartier, non ? Et on était ensemble en 5e, en 6e, je sais pas, ou là on s'est connus à la fac, là, mais on se rend compte, on sent qu'on est, finalement nos parcours ont été complètement différents, on n'a pas grand chose à se dire, alors par politesse on dit bonjour, tout ça, mais bon c'est un petit peu, il y a des climats glaciales qui interviennent à ce moment-là, donc c'est... Je me suis dit, tiens, autant écrire une chanson là-dessus, ou un petit peu en guise d'échappatoire. Avec un nouvel intervenant, au sax soprano. Chez moi, au moment où de derrière une voix m'appela par réflexe, je me retourne, ce qui à chaque fois m'étonne, car il pourrait très bien s'agir d'une autre personne, mais là non. Elle change de chemin, elle se dirige vers moi en me tendant la main. J'ai dû paraître surpris, étonné, je ne sais quoi, car la personne a dit, tu ne me reconnais pas, mais moi non. Pendant que celle-ci tremble, il me dit, nous avons été à la faculté ensemble. Oh mais oui, pardon de ne pas t'avoir remis d'emblée. Je n'avais pas tout à fait toutes mes facultés. J'étais dans la lune. Ce que je deviens, ben, c'est dur à dire. À cette question, non vraiment,
Je n'en savais rien pour l'éluder. Je lui réponds en faisant une moue vermeille. Puis j'ose me contenter de lui rendre l'appareil. Il me dit oh, pas grand chose. La situation qui empire, car on avait de moins en moins de choses à se dire. Les conventions obligatoires, et puis c'est fini. Le réservoir des banalités était tout pari. Oh non. Même sans toi, je continue. J'ai 650 choix à ma fenêtre. Même sans que tu révises.
une chanson qui n'est pas de saison, vous allez vite comprendre pourquoi.
mi-homme, mi-femme, androgyne pur, mythomane qui met le feu aux poudres du cœur des hommes, des femmes, à cette allure. Il étonne l'autre dans le grand Tenorio, mais il ne passe ni avec les pauvres ni les riches, non. Jamais à l'acte, il veut garder le mystère intact. L'androgyne, il aime tant le présent, croquer à toute allure, mais reste muet quand on le questionne sur son futur, parfois tellement monsieur, parfois tellement dame. On ne peut jamais savoir si c'est un homme ou une femme, sauf qu'avec moi, chose qu'il s'efforce de cacher, il n'a pas résisté à aller jusqu'au bout. Là, j'ai pu voir de quel sexe il était. Mais gardez vos gros sous, je ne vous dirai rien du tout. Sur l'androgyne. Merci. Il y a un truc qui est génial, c'est de faire des chansons sur ses propres défauts. Je mens par omission, je cache carrément des pans entiers. On échange une conversation comme ça m'arrange, sans me gêner. Je mens pour avoir raison, je n'hésite pas à passer sous silence des éléments, des informations de première importance. Je mens par omission, je dissimule des failles, je cache tout un tas de détails qui, mis bout à bout, changent tout. Je suis un quart quinqué, et ce,
en moins d'une semi-seconde. Elle et moi, nous ne formons plus qu'un seul animal, corps unique, mais bicéphale.
à personne. Au fil de tes écarts tout le temps, tes coups de téléphone, ton œil tout comme ce ton, mon paru cynique. J'ai voulu t'arrêter, j'ai voulu une rupture soudaine. J'avais l'impression que c'était comme par une sorte d'accident. Je ne veux plus cette caisse, non, cette salle, non. Le dernier morceau, donc, qui s'appelle Une personne lambda. Thank you.
beaucoup.